Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, c'est un épisode de Starbound, en tout cas un épisode un petit peu particulier, en tout cas comme les deux précédents, sur le blog, le site du jeu Starbound, donc playstarbound.com. On reprend toujours les différentes dev updates qu'ils nous ont fait sur le blog pour comprendre ce qui va arriver lors de la 1.0 qui est normalement censé arriver assez prochainement. Nous sommes sur une update du 7 avril, pardon. Manipuler quelle matière? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau et amélioré site pour Starbound. En préparation de la précédemment mentionnée approche finale vers la 1.0, on a pris du temps pour permettre au site de s'améliorer, pour donner un coup de peinture au site. Donc allez faire un tour et dites-nous ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec Starbound? Eh bien, je pense que vous serez tous excités de lire que vous serez bientôt capable d'upgrader votre matter manipulator, hein, de toute façon votre manipulateur de matière, de la manière dont vous le voulez. Est-ce que vous voulez concentrer tous vos modules rapidement sur la façon de maximiser la puissance générée? Par exemple, parce qu'on peut mettre par exemple la plus grande facilité à casser tel ou tel bloc. Ou pensez-vous peut-être que simplement dépenser vos points à droite, à gauche, dans chacune des différentes aires. Enfin, c'est des airs, hein, dans chacune des différentes lignes, on va dire, en plus de comment des arbres, enfin, ah ouais, on va appeler ça, pas vraiment un arbre, mais une ligne de talent, on va dire, sera une meilleure façon de les dépenser. Le choix maintenant sera vôtre, dans le sens où vous pourrez choisir vous-même sur quel upgrade vous concentrer. Cette feature est toujours en work in progress, hein, donc c'est-à-dire qu'elle continue en train d'être travaillée. En tout cas, au jour du 7 avril. Mais voici à quoi ressemble l'interface maintenant. Ce qui est sympa, je trouve. Hein. On voit en plus que certains blocs en fait ressemblent à telle ou telle chose. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, par exemple, on voit qu'il est sur le liquide. Active la capacité de récupérer des liquides dans le mode excavation. Là, on a un truc que je sais pas trop ce que c'est. Ça m'intrigue. Je vois pas vraiment ce que c'est. Là, c'est la puissance. Donc, la puissance pour par exemple pour choper plus rapidement du diamant. Vous savez qu'en fait, les différents minerais, les différents types de blocs se récupèrent à différentes vitesses. Et l'optique, qui à mon avis, lui changera tout simplement la taille des blocs choisis. Des blocs creusés d'un seul coup. Ça, je pense que ça peut être intéressant. Je pense que ça va être ça, mais après, je pense que là, c'est genre la taille classique. Après, ça, soit c'est une taille pas forcément inférieure, mais plutôt une taille moyenne, et après une taille grande. Soit c'est une taille classique, taille grande, et choix entre les deux. Vous savez, genre appuyez sur la touche R, vous aurez les deux choix. J'aimerais que ce soit ça, en tout cas. Parce que le véritable problème, c'est que des fois, on a envie de creuser que sur 4, d'autres fois que sur 5. Et ce serait bien qu'en fait, suivant sur le nombre de cubes qu'on creuse. Bon, enfin, moi, c'est comme ça que j'aimerais bien. Si je creuse sur un cube, ça va aller plus vite que si je creuse sur 5 cubes directement. Et j'aimerais que ce soit ça. Après, malheureusement, c'est un choix des développeurs. Donc, ils vont aussi préparer. Donc, ça, je vais en parler quand même. Donc, ils parlent un petit peu donc, du fait qu'ils allaient montrer du gameplay Starbound. Attention, sur Xbox One. Et donc, ils parlent d'une convention dans laquelle ils ont pu le montrer. Et apparemment, ça a plu aux gens. Et j'espère que ça vous plaira aussi pour ceux qui ont une Xbox One et qui s'attendent peut-être à retrouver le jeu sur leur console. En tout cas, je pense que vu la qualité du jeu à l'heure actuelle sur PC, il n'est peut-être que bon sur console. Hop, on revient donc sur la précédente page. 11 avril. Hors la loi et ordre. Hop, on y va. Avez-vous déjà jamais pensé à être un bounty hunter, comment ça s'appelle, un chasseur de primes intergalactique? Je veux dire, ouais, bien sûr, être un chasseur de primes classique, c'est toujours bien et sympa, tout ça. Mais si on met galactique
ou intergalactique devant, bah. Voilà quoi. Je suis sûr de toute façon qu'il y a statistiquement plus de hors-la-loi dans le tout espace que sur, juste sur la Terre, n'est-ce pas? Travel time might be an issue. What? Alors je comprends pas du tout l'intérêt de cette phrase. Donc maintenant on peut récupérer des primes. Non, l'escapade to our planet, d'accord. D'accord, oui, donc c'est simplement une quête classique. Vous pourriez rencontrer des NPC qui se sentiront un petit peu anxieux avec la présence d'un hors-la-loi simplement autour de chez eux. Allez-y et faites en sorte que ce soit réglé pour recevoir une prime en retour. Les hors-la-loi ne seront pas aussi simples à abattre que des NPC classiques. Et ils pourraient même avoir quelques petites astuces dans leur manche. Ça peut être intéressant, hein, ça fait des petits combats en fait, un petit peu, des mini-boss un petit peu. Et donc le personnage de la quête. N'est peut-être pas aussi violent que ça en gros, bon bref, voilà. Peut-être que vous avez mal compris qu'il était violent. Peut-être qu'un Dark Knight, c'est pas forcément quelqu'un de violent. Regardez Batman. Hop, on revient à une page suivante, on reprend tout en bas pour garder toujours le fil chronologique. On reprend ici. Hop, et on y va. 14 avril, Big Easy, donc on en a parlé dans la précédente vidéo, qui sera le lieu en fait où vous pourrez récupérer des mercenaires. Voilà, donc. Il y a des rumeurs à propos d'un bar caché sous le poste, fréquenté par des pingouins mercenaires. D'accord. Et apparemment, en plus, ils auront un nom. Il s'appelle Laggy, celui-là. Pour un... Alors, attendez, on va les voir. Pour un doubloon. Je sais pas ce que c'est que les doubloons. Son job, c'est soldat. Son rang, manager en innovation de sécurité. Le statut, il a une super idée pour un jeu vidéo. D'accord. Ok. Et apparemment, la rumeur court que si tu rends une faveur au barman, à celui qui tient le bar, parce que c'est pas barman, c'est enfin barman, bref, tu seras même d'engager des pingouins mercenaires dans ton vaisseau plutôt que d'accumuler des membres d'équipage inutiles, enfin des membres d'équipage en étant sympa et en aidant les gens. Bien sûr, ce ne sont que des rumeurs, hein. c'est sympa, j'aime beaucoup l'ambiance de cette développeuse. Elle a un vrai goût pour l'humour et c'est vraiment sympa à lire. Pour peu qu'on comprenne, forcément. la suite. 18 avril, donjon et Spookits. Je sais pas ce que c'est. On a ajouté plein de donjons dans un effort de créer plus de variété dans l'univers. Bon, voilà un par Nekoto. Ça a l'air sympa. Même si je trouve que ces donjons qui descendent d'un seul coup comme ça, c'est un petit peu trop simple. Voilà un donjon qui fait très donjon. Est-ce que vous pouvez en deviner le thème? Il y a des espèces de chats ou je rêve? Des chats avec un œil. Ah. Je dirais genre un donjon à la Castlevania, je dirais bizarrement comme ça. Intéressant. Samuri Ferret a ajouté aussi un donjon lui aussi. Si vous avez joué au Night Libid, vous avez peut-être rencontré un château glitch. Dwellers, je sais plus ce que ça veut dire. Dont les habitants étaient en fait friendly, donc étaient amicaux. Ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui pensaient pouvoir vivre un jour dans un château médiéval, une tour de château médiéval, et ne veulent pas simplement faire un jeu de joute avec un mec en cheval.
un robot cheval même, avec sur un cheval robot ou un robot cheval, comme vous dites, comme vous voulez. Mais il semblerait que ceux qui, certains qui n'étaient pas d'accord, les méchants, en fait les méchants glitch du château, se soient barrés et construit une forteresse de leurs propres mains avec des pics si jamais vous voulez passer. C'est sympa, j'aime beaucoup. j'aime beaucoup. C'est intéressant. Ok. Pourquoi pas. 21 avril, donc on s'approche de notre date actuelle. Combo Maker. Bon, salut tout le monde. Vous voyez comme quoi elle a vraiment de l'humour. J'aime beaucoup cette développeuse ou ce développeur. Je ne sais pas, je pense que c'est une développeuse quand on prend un personnage féminin. Enfin, en tout cas pour eux. Je sais que certains d'entre vous choisissent des personnages féminins dans des histoires. Je ne nommerai personne. Corgi. Bref. les épées courtes et les épées longues maintenant on subit une t'es complètement repensé tout simplement pour amener plus de vitesse au to bring them up to speed pour les ramener à la vitesse des autres armes. Maintenant chaque type d'arme a différentes mécaniques. Alors ça c'est bizarre que ça me présente ça. D'accord, ça me met Starbounder, ok, bizarre, pourquoi pas. Utiliser une épée courte ou une épée longue, avec sa première attaque, le clic gauche, plusieurs fois en succession, fera maintenant un combo qui ressemblera à celui-ci. Regardez, hop, tirer par le haut, recul, hop, et stock. C'est vraiment sympa en fait, je suis en train de réfléchir au niveau des stocks, des termes, mais je ne les ai plus en tête, il faudra que je les retravaille. Honte à moi, pour moi qui suis un fan d'Heroic Fantasy et de RPG de type Heroic Fantasy. Nekotos a travaillé sur le moyen d'éclairer, de rendre plus vivant, de rendre plus vivant le fond de l'océan. Si jamais il vous arrive d'explorer les fonds marins, gardez un œil sur ces ruines d'une civilisation qui est partie il y a longtemps, disparue il y a longtemps. On parle donc des îlots, là, clairement. Qui a été chassé, donc, par les Florans. Voilà pour l'information. Hop. Et donc, on va redescendre. Hop, voilà. Entrée plus récente. Je suis sûr que vous avez déjà vu des choses qui vous plaisent. Hop, bon, on va redescendre quand même à la fin. Voilà. 25 avril, la station d'information. On va appeler ça comme ça, plutôt. Les stations d'information. Alors, salut tout le monde, j'espère que vous avez un bon lundi, vous passez un bon lundi. On approche de la phase de polish, donc ça veut dire qu'on est très très proche de la fin, là, en actuel, le 25 avril, donc on arrive bientôt à la 1.0. Hein. Ce qui veut dire qu'on est en train de passer on passait en vue sur plusieurs parties du jeu. On refait un passage sur les interfaces du jeu, et on va pouvoir trouver quelques travaux en progrès. La console de navigation a été améliorée pour ajouter plus d'informations, pour pouvoir diffuser, enfin, montrer plus d'informations, comme les endroits de quête et une meilleure analyse géologique qui révélera donc les types de minéraux que vous trouverez, de minerais que vous trouverez sur la planète. Par exemple, on peut voir qu'il y aura de l'acier, du bronze et de l'argent sur cette planète, qui est pourtant une planète de type volcanique, ce qui est très... Vous voyez, regardez, menace extrême, on trouvera que trois petits trucs nazes. Donc moi je trouve ça intéressant. On a éjecté la tapirette de l'interface de Sail, qui est l'interface du robot. Et on lui a même donné, donc à l'interface de Tech Upgrade, sa propre interface. La voici, donc avec la présentation dont j'avais pu vous parler avant donc cette vidéo. C'est dommage qu'on n'en reparle pas, ils n'en aient pas reparlé là. Des différentes techs. Qui en fait apporteront différentes choses. Il y aura beaucoup en fait. Il y aura toujours un système d'évolution, mais ce sera différent en fait au niveau de l'utilisation et au niveau des techs. Donc j'espère que vous verrez ça avec moi dans les vidéos. Maintenant, avec les tapirettes de bouger quelque part d'autre, on est à même d'améliorer Sail considérablement. Avec par exemple, vous voyez le
les infos du vaisseau, puisqu'à la base, normalement, il est censé nous les donner. C'est lui l'interface du vaisseau, l'interface virtuelle du vaisseau. C'est juste une façon de vous montrer sur quoi on travaille. On vous en parlera plus, on en dira plus en fin de semaine. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, tout simplement. Bon, bah voilà. Donc là... la route vers la 1.0... écoutez, je pense, les amis, qu'on va se laisser là pour cet épisode. On regardera ça dans le prochain. Ça peut être intéressant. Surtout qu'en plus, on approche de notre date actuelle. Donc on va ralentir un petit peu en espérant pouvoir faire apparaître la 1.0 en jeu directement à la fin de... cette série de vidéos, ça serait parfait. Cependant, cette vidéo-là, je préfère vous la montrer en entier. Du coup, comme je ne sais pas encore trop la durée qu'elle fait, je préfère vous la montrer dans l'épisode suivant. Donc, encore une fois, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Non, pas trop de lien dans la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Benus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Et comme toujours, ce n'est pas une façon d'améliorer. Ce n'est pas par montage que j'augmente la vitesse de ma voix, c'est bien ma voix à moi. Je parle toujours très très vite comme ça, ça arrive très souvent. Et surtout en fait quand je veux pas vous ennuyer avec des détails inutiles. Donc en fait, enfin inutiles pas vraiment, mais plutôt des détails qui pourraient être rébarbatifs sur le long terme. C'est vrai que chacune de mes vidéos se termine comme ça, du coup je parle plus vite. Voilà, donc encore une fois les gens, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Benus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo.